Ah, bonjour! Vous écoutez les errances rénaldiennes à CKRL 89,1. On est le 8 mars? 28. 28 mars, ben oui, déjà? Le Radio Talk, c'est la semaine prochaine. Ah, OK, ben c'est bon. Oui. Et puis là, il y a des vidéos qui vont suivre? Oui! Restez à l'écoute, il y a des vidéos qui vont suivre. Excellent! Eh bien oui. Aujourd'hui, le samedi 28 mars 2009, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Je sais pas si vous vous promenez actuellement, là, si vous êtes dans les rues de Québec ou... Ben là, vous n'avez pas le choix si vous nous écoutez en direct, là, parce qu'on ne peut pas diffuser plus loin. Puis si vous nous prenez sur Internet au Népal, ben là, vous pouvez pas trop bouger de votre ordinateur, là. Même s'il est portatif, on n'est pas rendu à l'ordi MP3, là, hein, bon. Mais à ceux qui sont à Québec, et par exemple, là, vous allez bien avec mon émission parce que sans doute vous errez. Vous marchez, vous regardez, ça a fondu, ça n'a pas fondu, on parle de la neige, là. Ou votre poids, vous allez en perdre, dans le petit bas d'eau. Ah, un marché de même, ça va fondre de rien, ça. Une petite bedaine, là, ça, c'est une petite bedaine d'hiver, c'est beau de toute beau. Votre mari doit aimer ça, puis là, à un moment donné, l'été, il dit, ben voyons donc, là, c'est le bikini, fait que tu vas me faire disparaître ça, hein. Mais vous pouvez lui dire à votre mari que, lui, ça fait longtemps, ça fait 8 ans qu'il est à 8 mois, puis il a jamais accouché. Fait que regarde, là, toi, tu vas l'écraser, ta mère. T'en parleras plus de ça. Moi, c'est coquin. Toi, c'est vulgaire. Grosse bédaine de bière. Pourtant, tu bois juste du champagne. Toi, t'es tellement prétentieux, là. Pourtant, quand t'es né dans la misère, toi. Là, tu m'as toujours dit, ouais, c'est pas parce que je suis né dans la misère que je veux revivre la misère, je veux changer de vie! Ah, ben, c'est pas fou, hein? C'est pas fou, mais la culture aurait dû suivre avec ça! Tu devrais écouter CKRL plus régulièrement que ça! Ça te donnerait des ailes! Parce que tout le monde sait qu'écouter CKRL, ça donne des ailes! Ah, ça fonctionne! C'est pas beau, hein? Non, c'est pas beau, c'est extraordinaire! Ben oui! Ça vient de moi, ça! Ça pourrait être une campagne, là, de une campagne! Ah! Avec des petits oiseaux, avec un petit ruisseau, avec 3-4 petits cocos qui se promènent à pêcher là-dedans, là, dans le petit ruisseau. Ben, y'a donc, coco, on l'a pas semencé! Ça sert à rien de tirer ta canne à pêche! Eh, bon, le poisson est pas dans l'eau, il est à l'extérieur, c'est celui qui tient la canne! Tu parles d'un insignifiant, toi! Monsieur Trudeau a placé 3-4 poissons rouges, mais ça ne mord pas avec ça, ça mange des graines, ça! Non, non, des graines, des vraies graines, des petites graines, pas des... Vas-tu arrêter, toi? T'es mauvaise foi, ça n'a pas de bon sens, quand on dit des mots comme ça, tu verses tout le temps dans le double sens. T'as pas de sens, toi, dans le double sens. Tu t'arrêtes plus, tu dérapes. Puis même, tu dérapes plus, tu fonces des murs! On dirait une formuleuse! Faut dire qu'il n'y a pas mieux. Là-dessus, là. pour parler de la Formule 1, il n'y a pas trop de pensée aux freins, eux autres, là-dedans. Hein. Tu vois, les voitures. Premièrement, tu payes, je sais pas combien, là, trop d'argent pour voir une voiture passer. Mion! T'as pas le temps. Mion! Sainte tabarouette! Je sais pas si on plaçait des écrans, je suis jamais allé là, puis j'irai jamais là, ça m'attire pas, ma Formule 1. Moi, ce que j'aime, c'est deux gars se casser la gueule sur un ring. Ah ouais, ça, c'est du gars, ça. Ouais! Publicité de bière, tout usage, puis ouais, les coups sont de bon usage.